bonsoir. Bienvenue dans Haïti 58. Assoya, nous allons aborder un dossier qui a commencé par panique en Haïti, mais dans le pays à l'étranger, c'est gros panique. Qu'on est en France, qu'on est en Italie, qu'on est en Chine, côté maladie a commencé, ou déjà on a parlé de coronavirus. Et récemment, là, il y a un cas, il y a eu en République dominicaine, il y a trois autres cas, il y a eu un pendant le jour qui passé, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ça qui fait que Caraïbes, là, un peu monde pensé, qui était dit exempt de coronavirus, là, eh bien non. Et il y a un pays d'Haïti avec cas, il y a eu en République dominicaine. Qui ça, autorité, pas bon, nous, pas bon, ici, a fait? Est-ce qu'il y a des dispositions spéciales qui apprend? Est-ce que le système sanitaire noir déjà et des mesures qui prend pour faire lui répondre, même si nous connaissons dans qui état système sanitaire nous y est en Haïti, en temps normal, les difficultés pour répondre à besoin et nous, et on entend compliqué, comment ça va lier si et coronavirus est arrivé d'entrée. Puisque là, nous parlons pratiquement si encore, ce n'est qu'une question de temps, puisque la République dominicaine déjà gagné, et l'Organisation mondiale de la santé demande tout pays, même ça pour gagner lieu, puis déjà préparé à maladie ça, qui est sur route pour venir une pandémie. Ça veut dire toucher un bon pays et en même temps, déjà fait un pile mort. À Soya, nous avons pile question pour l'aborder, nous avons pile question qui est venue joindre pour me poser, et bien pour nous aborder ça. Nous avons ensemble avec nous en studio, directrice protection santé et environnement dans MSPP. C'est un docteur qui fait, pour être déjà capable de dire, dans la communication, puisque c'était Youn dans le monde qui est à Goumé contre le choléra. En Haïti, journée jeudi à l'an parler de choléra qui prend en Haïti, puisque pas véritablement il y a cas qui enregistre encore. Je voulais parler de docteur Jocelyne Pierre. Docteur, bonsoir. Bonsoir Robinson. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices émission Haïti sa cap kwit. C'est avec un plaisir que nous là pour nous débattre ensemble et comprendre sa cap fait yo et effort que le ministère de la Santé a fait pour préparer dans un cas éventuel que virus là t'a rentré en Haïti. T'es déjà gagné une sorte de vent de panique qui t'a soufflé en Haïti. Si ma coronavirus a vint en Haïti, comment on est capable de réagir avec lui? Est-ce que Kassa a vint découvrir qui enregistre en République dominicaine, il vient mettre plus pression sur nous-mêmes qui c'est autorité sanitaire dans le pays? Et pression, oui, mais nous t'es déjà gagné pression puisque nous t'as préparé. Et pour qui ça? Parce que pas oublier nous c'est une île. Dans une île, quel que soit bon dans l'île là que un cas ta existé, là pour un problème pour tous deux pays yo, parce que pas gagné et ça me t'a dit une frontière qui pour empêcher circulation moun et vraiment. Est-ce que officiellement autorité dominicaine nous touche de ça et nous connaît? Et officieusement oui, parce que directeur et direction épidémiologie a gain rapport régulier, contact régulier avec homologue en République dominicaine, mais nous pas qu'on gagne, si vous voulez, un rapport officiel. Mais nous connaît que le cas existe. C'est une obligation liée pour tout pays depuis où il y a le coronavirus. Ça a obligé pour notre maladie pour déclarer? Oui, c'est une obligation. Et moi, c'est, si vous voulez, point focal, réglementation sanitaire internationale qui est couvri pour pays, alors, et qui c'est pas une structure, mais plutôt qui c'est une obligation que OMS fait. Chaque pays qui est un membre dans OMS ou une obligation pour déclarer maladie. Parce que comme ça, particulièrement si c'est une maladie qui gagne portée internationale. Parce que grand pile monde qui on est en Haïti, grand pile monde qui est très méfiant par rapport à l'autorité, on pas fait nous confiance. On dit ah maladie est capable là, on pas jamais dire cela. Non. Pas gain ça. Non, pas gain ça. Les maladies là par exemple son jégonka nous t'es nous-mêmes conscients que moun yo bay symptômes yo, mais pour raison pour l'autre tout autant pas confirmer, pas oublier que médecine dans c'est une science, tout autant pas confirmer un cas ou pas déclarer. Et là nous déclarer non seulement nous communiquer le bas OMS en Haïti, mais tout bay OMS et Washington qui c'est et soulevé en coiffé toute région. Non, week-end qui s'est passé là, tu as eu une panique dans l'hôpital Sainte-Thérèse et Hesch, et on s'est député, il était hospitalisé, etc. Il y a pile bruit qui sur toi là que c'est coronavirus. De courir le docteur pressé et Pierre Sosso qui est responsable de l'hôpital, ça pour nous venir ce qu'il dit, c'est une pneumonie bactérienne qu'elle fait.
les diabétiques parce qu'ils venaient, ils ont admetté, ils étaient dans l'isolement. Et le deuxième tour, il y a un MSP qui voit les gens venir faire des spécialistes, venir faire prélèvement. Est-ce que nous avons des résultats prélèvement ça déjà? Ok. Ma réponse, ma mettez cas dans le contexte. Allez-y. Parce que c'est un patient. C'est parce qu'on dit député. Bon. Je ne vais pas citer non pour protéger, mais oui, député a été circulé sur toute raison. Bon, il circule tout le monde. Non. Malheureusement, que la presse a fait un gros boom avec ça. C'est vrai. Ma pral dit que. Surtout les réseaux sociaux, oui, madame. En dépit de toute faiblesse qui gagne dans le système, non, mais nous avons un bagage qui est important, c'est que, au point de vue épidémiologique, au point de vue surveillance, il y a un système qui est établi dans le pays depuis plusieurs années et que nous avons renforcé chaque jour au fur et à mesure. On fonti râler pour me dire si système surveillance n'est pas bah dit fort pas adéquat nous pas tap ka joindre nous pas tap ka déclarer choléra en 2010 c'est pour montrer depuis qu'il le ministère de santé a fait effort pour que nous un système de surveillance par rapport à patients que système n'a capté dans une institution dans le département du centre et quand on me dit malheureusement que la presse te font un gros boom avec ça. Eh bien, c'est un patient qui rentre dans le cadre de surveillance normale que nous habitué à faire. C'est un cas de syndrome respiratoire aigu sévère qui fait, il fait tout suivi pour lui. Qui c'est un symptôme du coronavirus? Non, non, non. C'est un syndrome respiratoire aigu, nous ne pouvons pas le dire. D'ailleurs, pour nous, depuis que nous avons une information, il n'y a pas un cas suspect. Okay. Parce que pour dire un cas suspect, il y a un, deux, trois critères. Mm-hmm. Pour dire le suspect et puis pour aller faire et d'autres interventions dans tel sens ou dans l'autre. Puisque pour dire un cas suspect, il faut que les gens, d'abord, comment on dit ça, si nous prenons exemple coronavirus là, il faut être en contact avec un monde qui confirme qu'il fait coronavirus. Il est sorti Canada. Canada, le sorti Canada, ce n'est pas tout Canada qui gagne et maladie à gon. Parce qu'on parti dans le Canada, c'est comme si on tape dit Port-au-Prince. Mais un monde qui t'a fait coronavirus Port-au-Prince, il n'y a pas aucun rapport avec le monde de Pétionville, sinon qu'après circulation et personne de une ville à une autre. Donc, il doit sortir un côté qui est Canada, qui n'a pas aucun rapport avec le coronavirus. Parce que ce n'est pas le fait que le virus a entré au Canada que tout le monde au Canada constitue un cas suspect. N'empêche que, Dr Pierre-Louis, des prélèvements ont été faits. Ont été faits et les résultats n'ont aucune possibilité. Négatif. Ils ont écarté possibilité ça. Et ils ont fait pour lui, pour d'autres types de virus. Tout. Parce que, et quand on a dit, nous avons suivi un paquet d'autres virus, de H1N1, de tout l'autre virus, grippe à Lyon. Donc, ils ont fait toutes tests. Tant mieux. Négatif. Négatif. Maintenant, combien de temps, qui capacité nous, lorsque nous gagnons un cas suspect, nous faisons des prélèvements, nous allons dans le laboratoire, combien de temps nous avons pour nous faire des résultats? Oh, mais c'est. Bon, premièrement, je vais commencer du Laboratoire national de santé publique d'Haïti. C'est une dans deux ou trois laboratoires qui gagnent dans la région Caraïbes, que vous reconnaissez qui gagnent capacité pour faire examen pour les grippes. Parce qu'on dit influenza en général. Okay. Okay? Pour influenza en général. Ça veut dire que nous avons personnel formé, nous gagnons capacité de réaliser tes yeux. Bon, ça, c'est une question de gens technique par rapport à délai que vous avez résultat. Parce que moi, mais, en France, c'est 2 à 4 temps, vous avez fait tes yeux. Bon, oui, mais ça dépend. Pas oublier que tout ça, nous là, c'est tombé et qui était passé en week-end. Même si dans le week-end, tout le monde est actif, les gagnants et crise. Mais je ne vais pas prononcer sous ça parce que ça a un petit genre technique par rapport à la durée. Mais un fait est qu'on a la capacité de réaliser les examens. Le OK. En nous, on y a là à regarder qui disposition qui prend dans l'aéroport avec dans le port. Pour le week-end, ça, je devrais faire expérience là et sortir pour me rentrer pour me voir comment c'est bien. Nous avons un collègue Benjamin Daniel Sénat qui est dans la radio avec nous, qui était à l'étranger, qui est entré. Il a simplement pris la température, il a un petit feuille de sensibilisation et puis il est entré dans le pays. Justement. Parce que quand est là, bon, alors, il y a un niveau où nous supposons chercher des gens qui sortent dans une zone à risque. Pour qui ça? Il n'y a pas même modèle qu'on est sorti, justement. Il pas modèle côté parce que ça, ce n'est pas le job ministère de santé. On prend bah, là avec tête frette. Pas vrai, Robert? Allez-y. OK. On passe à l'entrée. Température que vous prenez, c'est un élément déterminant. Parce que si vous jouez un monde à température élevée, vous prenez l'autre circuit avec.
C'est à ce moment-là que nous pouvons connaître s'il sortit dans le pays à risque pour que nous circonscrions pour nous considérer comme un cas suspect. Mm-hmm. Mais un monde qui a la fièvre ne peut pas dire automatiquement tout, c'est le coronavirus. Oui. Même gens, même gens, la pétérisse nous. Oui. Même gens que moun nan te gen droit gen virus la, la kaili, li soti nan un pays qui gagne un cas ou qui pas gagne un cas, mais leur prend température li pas gagne fièvre, parce que ça t'a capable de faire un paquet de développement par rapport à comportement et virus ça, mais la réponse ça, je suppose qu'on va priver là-dedans. Non, non, ça cap tout vouer nous dans période d'incubation qui fait que maladie est voilà, dangereuse. Ce qui veut dire moun nan ka passé. Il n'y a pas de la fièvre pendant la passée. Et c'est justement pour ça qu'il y a le petit papier. Mm-hmm. Parce que le petit papier a dit, l'arrivée de la caillou, si vous avez un symptôme, relez dans le numéro ça. Et à ce moment-là, nous pourrons le faire, ça crée pour nous une surveillance domiciliaire. Parce que l'IPACO, comme on a dit ça, ce n'est pas dangereux, non. Nous, les bancs, nous, on puisse, parce que nous avons suivi elle, nous avons les mesures pour le prendre la caillou. Pour protéger l'autre monde qui est avec, mais il n'y a pas quoi dangereux souffler. Le risque de tout ça, et docteur Pierre-Louis, c'est que moi, je dis sur maladie, a, depuis que vous attendez 4 jours pour période d'incubation, vous sont portés sains. Ou capable bailler, ou capable transmettre. Une période de transmission. Ou capable transmettre. Li. Certainement. Parce que vous déjà infecté pendant les 14 jours. Transmission, vous avez dit, vous n'avez pas de symptômes, mais vous capable. Ou capable bailler l'autre monde. C'est là le danger. Oui. Et là, il y a une investigation qui peut avancer, leur joindre un monde qui vient un cas suspect. Le ça, il y a un paquet de travail qui pourrait le faire. Par exemple, dans le transport, transporteur TEA, pour aller chercher qui est ce monde qui te contact direct ensemble avec elle, si tu as devant elle, etc. Si c'est marché de publicité, que, si c'est privé, si c'est privé, si c'est avion, quelque, pour nous capables de chercher ça, les cas contact. Ça qui complique la situation. Pour, oui. Nous sommes oui. Pour Haïti, pour tout le pays. Et c'est ça le problème avec la grippe en général, et particulièrement le coronavirus, qui est très contagieuse. Ça veut dire. Les transmettre rapidement de un monde à un autre si ou pas prend en quelle disposition, en quelle mesure préventive plutôt. Autrement dit, docteur Pierre-Louis, aucun pays n'est pas capable d'empêcher d'entrer dans la Cali. Ah non, et où est ça? Où est ça? Pays qui, pendant que tu as parlé de faiblesse système nous, mm-hmm. Mais pays qui est plus structuré passé nous, qui puis en solide souffle passé nous, ils ont rentré la Cali. Oui, mais faiblesse système, non. Pays ça, ils sont capables d'assurer un suivi médical pour une quantité, 30, 300, etc. Mm-hmm. Ça que c'est une dague ça là, nous tout effondrer. Et pas dit ça, notre travail, nous pas. Si nous avons 300 000. Mais jusqu'à présent, au moment où m'a parlé avant là, nous avons une capacité de 100 lits qui déjà identifiés dans le pays pour si nous avons. Qui côté? Et notre travail. Non. Non. Pas moi de qui côté Robinson. Parce que. Ça, un peu a posé lui qui côté disponible. Non. Parce que c'est ça, c'est pour nous apprendre faire ministère à confiance. Justement, on va faire confiance. Mais voilà, donc c'est pour nous développer confiance en ce sens. Parce que c'est comme si on bagaille de sécurité publique. OK. Parce que je ne suis pas obligé de dire ni qui côté m'a fait quarantaine, ni qui dans qui institution m'a mis mon yo. Sans lit déjà si disponible. Si tout le monde vient kounye là, au moment que je parle à voir là, si tout le monde vient kounye là, il côté pour mettre pour faire prise en charge. Ça veut dire que nous avons 100 lits disponibles avec matériel adéquat, personnel disponible, personnel formé qui est capable de faire prise en charge. Yo. Parce que tout le temps, on a parlé depuis janvier. Et on se dit là dans l'introduction, OMS demande tout le pays pour préparer. Mais pendant ça, nous n'avons pas fait bruit, nous n'avons pas parlé, mais nous avons préparé. Est-ce que vous avez dit à Mounmoyo, il faut faire nous confiance? Oui, ils sont obligés de faire nous confiance. Et nous prouvons déjà, que ce soit dans Zika, que ce soit dans la choléra, nous prouvons déjà que nous n'avons pas fait bruit, malheureusement. C'est peut-être que nous avons des communications à outrance. Nous pas fait bruit, mais nous travaillons. Parce que, imagine-toi, Robinson, jusqu'à présent moment, nous parlé, il n'y a pas qu'on a en Haïti. OK. OK? Nous disons, depuis la République dominicaine, quand vous dit, nous avons préparé, nous avons rangé comme nous plus solide, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'on a et qu'on a un cas, nous obligé de déclarer. Vous avez dit, et vous avez une opportunité pour me dire que c'est une obligation du pays, comme membre de l'OMS, membre de la région, pour déclarer tout cas et de maladie, surtout si maladie a été portée internationale. Si il y a quelques cas de malaria, je ne vais pas dire les OMS pour me dire ça, mais une maladie qui a portée internationale, c'est une obligation pour le pays. Docteur Pierre-Louis,
automédication en Haïti, c'est un phénomène qui est très courant, on voit ça très bien. Oui. Qui risque qui gagne pour que tu aies des cas dans le pays et que les gens nous disent, ah, son petit grippe, bon, je vais gérer ça pour contre la cas là. Quoi est toute famille fait en Haïti? C'est pratiquement les gens qui n'ont pas capable mon corps, ils mènent l'hôpital. Son culture là, quand même. Voilà. Et nous paraît même à notre santé. Mais c'est exactement c'est ça. Même pendant qu'à ou parler si nous jouons à un monde, mais c'est exactement ça. Nous n'a pas quoi gagner et c'est ça qu'il faut gagner inquiétude par rapport à quantité mounio. L'homme nous n'a pas quoi présenter si gravio. Non, il est capable de gérer la caille. Et c'est ça nous relais quarantaine domiciliaire là. Ça veut dire mounna la caille nous montrer le pouls, la température. Et alors, où t'es docteur, question, c'est docteur, spécifique. Attends. La Canada en jouer. Attends, non. Pas de matériel adéquat pour les gens qui ont un environnement pour protéger tête. Attends. Allez-y. Si nous connaissons. Alors, je vais retourner dans la question. On dit automédication. Ce n'est pas quelque chose à recommander. Nous, même comme technicien, pas recommander. Mais, on grippe, il n'y a pas de traitement spécial. Nous relais ça dans le langage médical, là, son traitement supportif. Ça veut dire, vous avez la fièvre, vous gérez la fièvre là, vous dites mettez compresse, vous prenez médicaments pour fièvre, vous reposez. Chaque grainement des yeux, nous ne gérons pas. Ah, pas. Et ça existait dans la médecine. Vous relais ça en traitement supportif parce que, par exemple, un médicament spécial, vous dites, vous prenez tel médicament comme si. Donc, un traitement symptomatique. Voilà. Vous faites un traitement symptomatique. Mais quand là, c'est en évolution. Donc, moun sa qui déjà comme ça, ou pas pral la gueule, comme ça, c'est même réflexe. Ça, comme moun nan ouel, comment c'est pas bon tout bon, pour aller dans le centre santé. Mais le problème qui est avec isolement et la kaïwa, c'est que moun ki la kaïwa, ou ap tout contaminé. Bah, isolement, c'est plutôt en quarantaine. Parce qu'il y a une différence entre quarantaine et isolement. Pour nous, isolement, c'est côté. Ok, quarantaine, non, c'est tout espace que tu mets au moun pour que ou empêcher le propager aux maladies. On a parlé de 14 en France notamment, parce que c'est 14 jours, enfin, il mettait mon œil à voilà. Donc, il faut mettre mon œil, puisque c'est 14 jours, période d'incubation, et vous supposez suivre pendant toutes 14 jours pour voir comment elle a évolué. Ça, c'est isolement. Cela, ça, c'est non, quarantaine. Ça, c'est quarantaine. Oui. Cela veut dire, elle a évolué, Sylvine Pigrave, ou Menel, dans l'institution de santé qui peut faire prise en charge. Maintenant, elle est en quarantaine, est-ce qu'elle a un contact avec l'autre monde qui n'a pas gagné, qui n'a pas protection? Il a un contact avec c'est lui-même qui peut mettre masque, parce que c'est lui-même qui transmetteur. Eh, s'il connaît. Non, mais dès pour identifier, ça veut dire, nous disons cas suspect, ça veut dire, il y a des signes et symptômes, il est grippé, il saute dans le pays à risque, parce que leur grippé, ça ne veut dire que c'est le coronavirus. Okay? Absolument pas. Pas les populations hein, apeurées ou bien fait panique, dès pour on moun a toussé pour dire, oh, ça c'est le coronavirus. Non. Bah, bon, c'est bon, on toussé beaucoup de monde, c'est même ça là. Oui, bon, c'est un réflexe, c'est un réflexe humain, nous comprenons ça. Mais pas mettre dans la tête tout que parce que moun a une grippe, puisque le virus n'a pas entré en Haïti, il n'a pas le coronavirus. Isolement sont l'autre étape plus poussée. Isolement sont l'autre étape plus poussée. Justement, quand on retire les gens dans la quarantaine, on met dans l'isolement. Isolement, c'est l'ordre de personnel. Confirmé. C'est personnel et prestataire qui pour le soin, etc. Ça, c'est prise en charge. Ça veut dire sortir dans le stade de grippe simple, il commence à passer dans un niveau. Et dans l'isolement, c'est confirmé que le virus là. Oui. OK. Maintenant, là, on a parlé pour deux aéroports nous, qui sont pour le presse ou bien Cap-Haïtien. C'est même. Et service à Cladéo, gagner espace d'isolement ou de quarantaine là dedans. Et ok, non, aéroport tout c'est ouverture, nous gagnons ça, nous t'accarrelons quarantaine temporaire côté Simon, on cas suspect nous mettel pour remplir formulaire pour ses investigations et pour transmettre les ambulances, justement comme on dit pour limiter les dégâts pour que le pas dans espace aéroport là à transmettre maladie. Mais à comment ça au Cap Haïtien et l'IPACO établi mais il fait et circuit il fait toutes tests etc toutes tests pour température etc pour tout le monde mais, donc ça c'est une première étape et ça c'est une étape qui est obligatoire parce que n'a surveillé dans niveau aéroport bon petit bagaille si on veut entrer et sortir dans un pays quelconque et nous avons possibilité pour nous suivre oui si nous jouons un point nous fait ça déjà. Nous avons fait ça déjà dans le cas Ebola, nous avons fait ça dans le cas H1N1. Il y a une équipe qui est désignée pour ça, qui relaie les gens, qui la caille même s'il le faut, pour prendre la température, etc., pour suivre l'évolution. C'est ça, nous les quarantaines domiciliaires. Ce n'est pas un bagage qui a essayé de faire, non, nous faisons déjà. Qu'en est-il de nos ports? Ok, nos ports, nous avons dit que nos ports, c'est là où j'ai au contraire, beaucoup plus facile. Parce qu'en temps normal,
Et en temps normal, un navire qui a entré, qui est un navire commercial, et qui est un navire, et parce qu'à la Badine, nous avons un navire qui vient à touristes, il a un service de quarantaine qu'elle fait, une visite de quarantaine qu'elle fait là-dedans, avant qu'il y ait l'autorisation à accoster. Mm-hmm. Donc, c'est une équipe qui a gagné, officier immigration, la douane, et un personnel de santé qui montait à bord et qui posait question. Capitaine a une obligation pour répondre. Et à partir de ça, il est capable de garder provenance et membre équipage là. Ça veut dire, il n'a pas parlé de 14 jours. Si pendant les derniers 14 jours, son monde qui est allé en Chine, c'est un processus pour capable de déterminer si il y a un cas contact. La première question, c'est demander au capitaine, est-ce que tu es un monde malade d'abord? Il y a une obligation pour le bail réponse. Et à ce moment-là, on y a qu'à prendre Mounza, et si ou elle suspecte, on est là, bateau a tout été en quarantaine. Bien avant, Dr. Pierre-Louis, on a découvert qu'à ça, en République dominicaine, je l'avais dit que menace pays d'Haïti, l'absorption de la République dominicaine pour plusieurs raisons. Mm-hmm. Une raison fondamentale, c'est parce que avec environ 7 millions de touristes par année, eh bien, République dominicaine gonflue d'étrangers qui absorbent dans tout le pays, ça, au Cap-Vin Laden. Donc, du coup, le plus exposé à virus ça par rapport à Haïti. Et de fait, c'est là le sorti. Ouais. Est-ce que il y a des décisions préventives, des décisions de restriction, autorité sanitaire, autorité PIA, a fait sous frontière actuellement? OK. Nous n'avons pas dit mesures de restriction. Premièrement, jusqu'à présent, OMS n'a pas bloqué voyage ni transport entre pays qui est affecté. Ça, sont décisions. Ni de la Chine, sont décisions. Ça, sont décisions étatiques. Mondiales. Non, dire, pays qui ont propre décision. Ça veut dire, voilà, c'est ça, m'a venu. Pays qui ont propre décision, l'aile garder niveau de risque à bouler. Mm-hmm. Mais internationalement, il n'y a pas qu'à décider. Ça fait une chose. Deuxième chose, Robinson, ce n'est pas moi qui viens après nous, que dans la frontière, nous traversons, aller sortir. Très poreuse, frontière. Très poreuse. Mm-hmm. Donc, nous gagnons 5 points officiels. Et à travers 5 points officiels, il faut me dire que tout week-end, là, toute semaine, tu as une équipe souterraine qui a fait évaluation pour eux. Nous gagnons 2 points côté et directeur départemental qui gagne. Frontières, yo prend décision déjà, yo mette circuit en place. Obligation nous gagner, c'est surveiller. Mm-hmm. Mais là, nous dit nous on frontière poreuse, nous su que nous pas qu'à veiller à 100%. Et moun yo déjà gagné habitude ça. Yo traversé des petits côtés. Kounye là, ça me dit qui a fait dans ça. Nous ouais directeur immigration déjà pour nous poser problème non. Gagné et suivi qu'a fait pour côté qui pas gagné une ligne spéciale pour moun yo passer pour obliger tout le monde passer dans une seule ligne au moins moun qui passer dans poste officiel yo n'a gagné possibilité pour nous et pour nous contrôler mais pour le reste en d'autres termes docteur Pierre lui nous impuissant par rapport à la situation ça si c'est sur la frontière n'a dit puisque nous gagne 250 km peut-être plus de frontière mm-hmm. Nous gagne 5 postes. Et pas gagné. Et c'est plusieurs centaines de postes qui ne connaissent pas. Alors, ça me dit, c'est que gagné et réunion qui prend déjà entre l'équipe en santé Haïti avec l'équipe santé dominicaine, bien avant que vous ayez gagné, pour nous regarder comment nous avons fait pour que des deux côtés. Puisque, comme vous dites, c'est un bagage qui intéresse nous toutes. Nous tous deux, sous deux beaux pays. Parce que même Jean Cassotti, si tu es en République dominicaine, il est en République dominicaine, il vient là. Donc, il faut prendre des mesures pour ça. Mais nous tout disons que et c'est la réalité, ce n'est pas moi qui ai inventé. Nous n'avons pas qu'à contrôler toute circulation monde qui a fait sous frontière. Discussion, tout le monde a posé. Avant de démonter l'émission, il y a des gens qui connaissent, mais ils me disent que je vais faire l'émission, vous avez des questions pour me poser. Discussion, on va répondre de façon succincte. D'abord, Dr. Pierre-Louis, est-ce que le coronavirus est capable de déplacer pour contre lui sur une longue distance? Bon, là, nous dit déplacer. Si je prends un moustique, il est déplacé d'un point à un autre. Mais virus, coronavirus, et pas qu'à déplacer, puisque il y a un transporteur qui c'est la salive, il a dit plutôt qu'il est projeté. Ça veut dire que si je parle là, il y a une gouttelette de salive qui sort, elle est tombée sous table. Mais c'est pas déplacer, le déplacer, saute dans la bouche, elle est sous table. Il est projeté à travers la salive, à travers les gouttelettes de salive, il est tombé à terre, sous roue ou bien sous table. Est-ce que, par exemple, si vous n'avez pas gagné la maladie, je pardon, est-ce que automatiquement, le fait que je m'a conversé avant là comme ça, nous tout prenons?
Non, pas nécessairement. Si je ne pas voyer postillon, il n'est pas privé de nous. Et pour une distance où il est ensemble avec nous, sous plus de 1 mètre ou 1 mètre 50, il n'est pas passé. Parce que, pas bien dit, ce n'est pas marcher, la, marcher pour l'aller, il n'a pas volé pour l'aller, c'est projeter, la projeter à travers la salive. Mm-hmm. Donc, côté là, il tombe, oui. S'il tombe sous table là, oui, table là, infectée. Table là, infectée, mais. L'autre table est infectée, c'est une façon de parler. Une façon de parler parce que salive l'a tombé sous. On dit microbe là sous table. Microbe là sous table. OK. Virus là sous table. Maintenant, les vins dangereux, moi, c'est les mayens. Mais on sous la. Et même là, encore beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de problème, c'est sous mettre mon en figure. OK. Tout près néon, tout près géo, parce qu'il y aurait manqué muqueuse dans les yeux, néon à bouche, absorber microbe là rapidement. OK. Ça qui pousse nous à aller dans la deuxième question, hein? Ça veut dire que le virus là est capable de transporter par courbe. Par billets de banque et poignets. Oui, n'importe qui bagaille, lunettes, tout objet. Tout objet qu'on a moyen. Et c'est ça que fait. Et nous, oui, alors, je ne sais pas si mesure que vous avez venu, essayez le plus que possible laver mes nous, les nous manier, comme en nous prenant comme ça. Téléphone ou que vous avez déposé n'importe qui côté. Nous avons vu avec précaution avec, okay. Et puis et cette automatique s'est étalée comme ça. C'est ça. Troisième question, nous avons demandé pour poser aux auditeurs et téléspectateurs, téléspectateurs experts, tout. Nous avons dit, Mando, est-ce que moustique capable de faire le coronavirus? Non. Non, c'est ça que fait me développer. Prends un petit temps pour me parler de transmission. Allez-y. Et laisse ça, il y a une pile de questions qui sont allez-y. OK. Un virus, c'est un microbe. Et parce que alors, nous disons microbe, c'est il y a catégorisé ou bien virus ou bien bactérie. Mais dans le cas, on a parlé à son virus. Caractéristique générale, virus en général, les besoins de cellules vivantes. Que ce soit cellule végétale, animale ou humaine, les besoins côté qui gagne une cellule qui gagne déjà des éléments que le besoin pour le cas vivre. Les besoins la vie pour le vivre. Les besoins la vie pour le vivre. Cela veut dire que l'on prend un virus, c'est ça que fait pour un temps pour l'entrer là caillou, là le chercher et puis gagne des virus qui sont sensibles par rapport, on va dire des virus qui sont sensibles c'est pour peau, gagne c'est pour système respiratoire, gagne c'est pour système digestif et ainsi de suite. Donc quelque part l'entrée là caillou, il cherchait côté les puis senti la palaise là côté les puis sensible là et à ce moment il arrivait là, il cherche une cellule qui rentrer parce que c'est des êtres vivants et tout. Mais il y a une structure spécifique, il y a fait à ARN ou à ADN, etc., avec plusieurs types, variétés de virus. Mais les besoins ont côté pour le vivre. Ça veut dire automatiquement, le tomber sous table là, il voué à la mort. Pourquoi ça c'est en Chine? Donc, c'est le souci. Ah, pourquoi ça c'est en Chine? Et la littérature prouvait que en Chine, particulièrement Wuhan, et bien l'autre marché comme ça tout en Chine, les gens ont des habitudes alimentaires. À travers toute bête, tout sac vivant. Tout sac vivant qui marchait, c'est bête, ils mangent. Je sais, oui. Donc, dans Wuhan, et c'est presque chaque table collée à table, moun a marché, monté, descendre, et c'est dans le marché à même, ils ont tué bête là. Et virus, ça, il hébergeait la caille bête. Mais tout autant, il était bête là, il n'y a pas aucun problème. Oui. C'est l'aile, saute cabette là, parce que cabette là, justement, c'est ça, il est haute là. Bête, ça, que ce soit Mélan, chauve-souris, etc., que yo l'irrité la caille, il n'y a pas fait bête là rien. Mais s'il saute ka bête là, il vini ka l'homme, alors là, il vini dangereux pour l'homme. Donc, non, tuer bête là dans ma chair, parce que moun yo gen l'habitude, habitude, c'est l'air à l'acheter, c'est vivant, qu'on sa pour yo well, pour yo tuer le bayo. Oui. Donc, sans. Il y a des parties de couilles qu'on mange là-dedans. Parties couilles qu'on mange, il y a pas même parties couilles. Si nous regardons des mesures préventives qui étaient sorties dans Chine, il y a spécifié que faut bien cuire. Manger, tandis que nous-mêmes en Haïti, automatiquement, nous ne pas manger viande cuite. C'est dans notre culture. C'est dans notre culture. Voilà, donc quelque en part. En Chine, il y a des insectes vivants, ils mangent. Vivants, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Donc, c'est la culture alimentaire qui fait qu'ils viennent très à risque. Et puis, pour miscuiter, gagner, comme si mon apola, mon apola, bête, et y a tué, bête sans bête, etc. Donc, ça vient de faire que l'hypothèse. C'est très propice pour que. Très propice pour que le t'ait diffusé. Pour qu'elle te transmette de l'un à l'autre. Je reviens sur la question, Dr. Pierre-Louis. Est-ce que moustique capable de. Non, moustique pas. Alors, c'est ça, je vais expliquer comment. Et je vais expliquer comment
un virus ça qu'a transmettre justement de monde à l'autre. Faut d'abord li rentrer caillou monde, li rentrer dans caillou monde, li fait toute ça rien pour faire dans cellule là pour capable rester vivant et puis la pral sorti dans salive là que moun nan projeté. Comprendre bien oui. Donc si m'en face ou là m'a parlé m'a fait postillon, si m'gen porter virus là ou tout prend parce que là elle est directement dans le visage. Comprendre bien question moun yo oui parce que yo moustique, li pico, li prend sang. Non, ça va pas transmettre par le sang. Okay. Bon, du moins jusqu'à présent. Alors, bon, me faire réserve là, puisque nous disons c'est un nouveau coronavirus, parce que tu as l'autre coronavirus que tu comportement déjà. Il a muté sous nous, ça ne va pas nouveau coronavirus, non, justement, qui mute, qui mutation l'autre, yo, mais il n'y a pas qu'on connaît comportement réel. Ça veut dire tout ça qui a sauté, c'est à partir de comportement virus, là, qui est un qui malade. Donc, il y a des choses, nous ne sommes pas capables. Et prononcer nous sous livre vraiment. À la lumière d'explication, ça, docteur Pierre, il est clair que dans Tibizou, c'est mon capable de prendre. Ah oui, trop près pendant qu'on parle, oui. C'est clair. Ce qui veut dire que nous allons obliger de changer notre mode de comportement, nous, les nappes saluées, nous, nous, non sexe, par automatiquement. Non sexe, non sexe, non. Jusqu'à présent, il n'y a pas. C'est salive là qui a porté. Donc, il me dit tout ça, c'est sous réserve, tout autant de littérature, pas qu'on pouvait que je un cas qui possible. C'est vrai que dans la littérature, il dit qu'il peut transmettre par les selles, etc., parce que son virus, s'il sentit à l'aise dans celle-là, il peut avoir un choléra, il peut passer. Mais pour le présent quart d'heure, où il y a une transmission directe, c'est le où parler à mon nom, où il y a éternué dans l'espace à mon nom, là, il absorbe directement, ou bien une transmission indirecte à travers un objet qui est souillé. On mange porte, un téléphone maintenant, et l'argent. Maintenant, les virus ça tombe par exemple sur table là, son manche-porte, son téléphone, son corps. Qui continue de vie. Qui continue de le faire. Et il dit jusqu'à présent maximum 3 heures, mais tout ça c'est sous réserve, nous pas contre s'il pas plus, mais les gains un certain temps là pour mourir parce que virus là, il a besoin comme on se dit des conditions idéales pour vivre. Dans un milieu qui sec, il pas prêté. Dans un milieu gain un certain degré de chaleur, il pas prêté. C'est bien lui. Là pour mourir. Mon mieux besoin qu'on ait. Si pas mal yo t'attrapé coronavirus ça est-ce que obligatoirement y a mouri? Non. Non. Et là encore ça prend une opportunité pour bailler une explication. Allez-y. Virus là rentré la caillou. Si on ka mette trois moun là, nous t'es dans même espace là, nous prend virus là même là, youn gantan développer maladie juste li grave là l'hôpital. Youn commencé le pas bon, li senti pas bon, rete couché la caillou et puis l'autre là pas gagné du tout. Ce qui veut dire gen sacré les réponses personnel chaque monde chaque monde pas les mêmes qualités de défense de défense et là la parler de défense dans santé nous parler de système immunitaire exactement donc système immunitaire pas m'a obligé même j'en avoir d'autant plus que sous malade sous ou ancien malade soit pour ton maladie qui chronique comme coup diabète hypertension maladie cardiovasculaire etc ou plus vite développer si à symptômes nous l'apprendre et on peut le développer beaucoup plus rapidement que un autre monde qui était bien là l'âge, par exemple l'âge jeune garçon jeune fille un petit bébé ou bien over 50 okay. Grand monde et littérature une catégorie monde qui plus qu'à résister littérature que nous gagne jusqu'à présent dit que les enfants de moins de 10 ans sont très épargnés je ne très très rare cas presque 1% de cas seulement qu'à timon alors que dans l'autre grippe, c'est Timoun qui est toujours beaucoup plus attaqué. Oui. Tu vois, donc ça a déjà commencé à faire une différence. Les mêmes, tout le monde est capable de prendre, et quand je te dis, c'est défense corps qui va le permettre de réagir avec. Par contre, mon âge, il est très à risque. Parce que déjà, par rapport à l'âge, l'âge là fait que yo t'es fait des gros maladies, y a poté des maladies chroniques, ça vient faire y a plus d'âge. Système plus système fragile. Non, même si système immunitaire a pas fragile, mais le fait que y a poton l'autre maladie, système d'ap travail pour protéger, ça les vient plus à risque. Septième question, où t'es oui. Répondu en partie médicaments. Où t'es dit pas des médicaments de façon spécifique, mais nous ouais dans le ça on va écrire des chloroquines qui circulent sur tous les réseaux, qu'on vend d'ailleurs chloroquine non, c'est un panacée de pour prendre tout guéri. Bon, nous-mêmes, nous pas rentrer là-dedans, nous discuter déjà et dans le comité, nous, au point de vue technique, et pas oublier, m'a venir avec ça encore, c'est un nouveau coronavirus. C'est un essai que un laboratoire fait, que un pays fait. T'as un autre essai qui t'est sorti déjà en voyant dit que il y a un médicament y a bail pour les gens qui sont immunodéprimés, ça veut dire pour les gens qui ont le VIH, qui te répondent tout. Donc, c'est des essais qu'a fait, nous, pas qu'on capable scientifiquement et prononcer nous sous lui. Et ma prend cas en Haïti particulièrement.
chloroquine, son médicament que tout le monde connaît, nous connaissons un médicament qui est bon pour malaria, et que d'après déjà. Mais déjà, il y a des études qui faites dans le pays qui prouvaient que nous avons un degré de résistance à chloroquine. Ce qui veut dire, si la population mette dans une situation, la prend chloroquine à tort et à travers, ça veut dire sans dose correcte, sans durée de traitement correct. Non seulement la longue, il n'y a pas d'effet pour nous. Nous, par contre, qui s'agit comme effet réellement sur le coronavirus, mais nous pourrons augmenter le taux de résistance et patients, le taux de patients qui ont développé résistance à chloroquine. Ou à ce moment-là, une maladie qui traitée facilement, nous avons besoin beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de temps pour faire traitement. Maintenant, est-ce que tu as un vaccin qui a été immunisé contre le virus là? Non. Virus de la grippe spécifique. Et je dis pour tout le monde, en général, il y a un vaccin influenza qui protège contre certains virus. Pas oublier M.D.O. Robinson, virus ça nouveau. D'ailleurs, il y aurait le nouveau coronavirus 2019. Donc, si le nouveau, il n'y a pas de vaccin. Okay. Vaccin, on doit préparer le contenu, il y a une structure virus ça déjà, parce que c'est à partir de structure et microbes là pour y aller développer vaccin, il est en cours, mais ce n'est pas pour bientôt. Mm-hmm. Maintenant, vous avez déjà dit que il est très contagieux. Oui, il est très contagieux. Mm-hmm. Et je dis là, si je déjà porteur, je parle en face ou là, on postille en partie. Oui, c'est très élevé. Ça va veut dire qu'on va développer maladie. Mais contagiosité a existé. Et c'est ça que fait, ouais, il y a un pile de monde, depuis que les gens voyagent, ils prennent contact avec le monde, ils retournent avec elle, et ainsi de suite. Maintenant, docteur et Pierre-Louis, est-ce que c'est important pour que l'autorité, l'autorité sanitaire, l'autorité gouvernementale, tu as déjà fait des commandes de masques pour mettre là pour nous, pour qu'on ait une disponibilité sur le marché, pour qu'on ait utilisé. Qui est important ce masque pour capable protéger nous dans le cas ça? OK. Masque, là, il est recommandé, mais il est recommandé pour les gens qui prend en charge souvle malade yo, parce que depuis moun nan vini a grippe kounya pa konn ki grippe l'obligé commencer protéger tête li. Li important peut-être pour moun ki ka confirmé ou bien ka suspect pour le pas multiplier, mais meilleure mesure yo c'est mesure d'hygiène yo, parce que l'on fin utilise un masque faut jeter et comment t'as dit ça. Masque là, gagné et variété de masque pour utiliser, soit faire soin pour malade avec si. Parce que, moun yom gebe, c'est panique, yo, en Chine, tout le monde a mis des masques, mais pas oublier, pays asiatique, ça, yo, yo très, yo gan pile moun, soit gade l'on la rue, c'est moun a, et contre à moun, etc. Oui. Donc, facilement, et, virus ça a passé, mais c'est pas. Comme si pour nous tendre à dire qu'il y a un coronavirus en Haïti et puis pour nous commencer à mettre des masques. Non, c'est qui bon et virus là, dans qui zone là, qui monde qui gagne pour que soupral avec nous ou qu'on est pour protéger tout. Donc, personnel médical, pour nous, jusqu'à présent, c'est la priorité pour porter masque. Au monde de Dieu, par exemple, l'opal nan, et côté qui gagne une grande agglomération, l'église, l'école, le marché, etc., on de mettre pour protéger tout. Non, en général, et même l'autre pays où on fait et mesure ça, automatiquement que le virus là entré, il y a deux réunions qui dépassaient, qui environ 4000, 5000 personnes, il y a pral obligé et reporter parce que. Et justement, ou pas qu'à gérer full ça, un seul monde doit contaminer plusieurs monde. Mais une réunion de quelques personnes où chaque monde connaît qui précaution pour le prendre, ça n'a pas aucun risque pour réalisation d'activité. Ça qui pousse nous parler de les précautions. Les précautions. Là, c'est avec ça n'est les mesures préventives, oui, pour la population. Hein? Et alors, comme vous avez dit, masque, ce n'est pas obligatoirement masque. C'est surtout mesure préventive. Pas oublier de dire, microbes là qui a projeté sous n'importe qui objet, ou moun qui a compté l'argent, pas vrai pendant la compté lit tombé sous lit, mais c'est tout de suite. On dit tout de suite si ou utiliser la période pendant que virus a encore vivant sous lit à ou prend. Donc ou pas jamais connaît ou gain pour faire le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Mais bien laver mains vraiment pour et tout fond d'ouette, tu vois, poignet à tout côté. Même jeune qu'on lave pour choléra. Même jeune qu'on lave, voilà. Même jeune qu'on lave pour choléra, bien laver mais nous, avec l'eau, avec savon.
Là on va toucher. Et pas chaque 2 secondes non? Non. OK. Ah bon. Mando. Ou va laver mon chaque fois fin manger un bagage qui douteux. Mm-hmm. Ça veut dire ou t'es manger l'argent, l'argent c'est bagage qui passe dans mes plusieurs monde ou là. Mais bien entendu chaque fois ou gagne sur manger, mettez mon dans frigo faut. Chaque fois voilà, qu'on va mettre mon dans frigo et ça veut dire même l'autre avlé, c'est pendant ou dans studio là. Ou voulez mettre un petit fraîcheur, eh ben, ou lavez mon avant parce qu'on ne peut pas comme ou grand moyen. Ouais. Ou lavez mon avant, on va laver figou parce qu'on peut le côté l'aller directement. Donc, qui t'aime continuer, c'est allez-y. D'abord et lavage des mains avec de l'eau et savon. Deuxièmement, quel que soit sorgue comme grippe, l'eau a toussé, ou pas besoin de tant de l'organe coronavirus. Parce que l'autre grippe, tout toussé, c'est comme ça qu'on transmettre. Moun nan toussé, li éternue, et puis li gaïl. Donc, l'eau a toussé, toussé dans le coudou. Ou bien sous épaule ou, c'est comme si vous déposez virus, virus là ou pas mettez le namon. Si vous voulez plus correct, vous tout ça, mettez le namon, vous venez la boire en main, ou bien moi, je porte là pour me sortir, et puis c'est distribué ou distribué. Donc, il n'est pas recommandé, ou faites comme ça. Quand il y a si vous avez grippé, et faut le moucher, nous recommandons, si tout ça n'est pas le Kleenex, mouchoir jetable. Et bon, là, ça, vous avez utilisé ça, vous avez le Kleenex, et napkin, etc. Ça, c'est la porte li. Pour le moucher, mais chaque fois le fini, c'est pour le jeter, c'est pas pour le serrer. Il faut que tu aies un pour ça. Parce que. Moi, je dis que je ne peux pas faire sortir. Non? Ah, bon. Qu'on est là, parce que s'il prend une serviette, Robinson, ça... chaque fois le moucher, il quitte là-dedans. Et quoi, ça peut faire population servir. Voilà. C'est ça que fait vigner avec ça. Oui. Mm-hmm. Donc, meilleur principe là, c'est ça. À moins que l'a utilise au mouchoir à chaque fois. Et l'orphine moucher, il faut le laver bon. Parce que ou même cap moucher nan on Kleenex imagine dépendant de volume ou bail là déjà quand arrivé nan mon donc faut laver mon à chaque fois fin moucher donc nous dit lavage des mains nous dit tousser li gagner l'autre mesure tout lors en contact avec un monde qui grippé ça veut dire me vinn là me jeune monde qui grippé on commence à prendre une petite distance parce que me connais gon distance même s'il tousser il pas privé sur moi on essayer limiter les contacts et l'autre mesure là c'est que puisque qu'on y a gagné plusieurs pays Robinson qui gagne maladie, si je t'ai dit que je vais en Italie, tu es là. Ou t'ai dit non merci. Donc voilà. Mais si je suis obligé d'aller, ça veut dire pour travailler, pour des raisons d'affaires, je vais aller, mais là, je connais. Il faut commencer à prendre mesures préventives depuis là et l'arriver pour l'appliquer et appliquer correctement. Il faut tourner dans la salutation privée là tout. Ah, courir. Pour courir. Oui. Donc quelque part, c'est ça, ce sont des facteurs qui pour nous permettre nous lutter. Parce que pendant qu'on a dit que le système est faible, là, c'est vrai, il est faible dans certains points. Mais nous-mêmes, tout, ce n'est pas responsabilité ministère de la Santé publique seulement. C'est responsabilité de tout le monde. Donc, il y a une responsabilité individuelle et puis il y a une responsabilité collective. Si je connais me gripper, je me tousser, eh bien, je prends des mesures pour me protéger, pour qui dans l'environnement. Tout à fait. Maintenant, qui ça pour nous sentir les symptômes pour que vous soyez capable de dire, oui, il y a un coronavirus? Ah, donc vous venez dans un cas spécifique. On dit qui ça vous sentit pour dire une grippe. Oui. Parce que les manifestés d'abord par une grippe. Ou senti ou pas bon, ou mal tête, ou dit oh oh, a pas m'gain les bras, gain la fièvre, ou gain fièvre, corps a fort mal, gorge ou fort mal, ça ou presque sur son grippe. Mais qu'on est là, parce qu'on grippe, m'a pas venu, m'a dit coronavirus, m'a posé une question pour me connaître sous un cas suspect. Oh, est-ce qu'on a en Chine? Ou bien, est-ce que tu as l'Italie, particulièrement? Ou dis non. Mais si non, on commence à écarter. Est-ce que l'autre voyage à côté de toi, ou bien un monde qui t'a confirmé que tu as gagné le coronavirus? Ça veut dire, il était allé lui-même, il était lui-même, il a contact avec un monde qui est malade, ou bien tu as un pays qui est malade, ou tu connais le malade. Ça veut dire, imaginez, il s'est parti, il veut le jeune monde qui est malade. La balle soin, la bédelle. Donc, si tu es en contact avec un monde qui est malade, ou vin un deuxième critère. Donc, quand il y a un troisième critère là, c'est le fait que ou grippé, ou présenté symptômes. Donc, là, ça, nous pas quand même si c'est coronavirus. Nous dit ou son cas suspect. Et c'est à partir de ça que nous allons faire une investigation. Et c'est ça, système surveillance a fait depuis combien de temps? Maintenant, on a l'hypothèse tout. Oui. On n'est capable ni voyager, ni en contact avec un monde qui a voyagé, mais il est en contact avec un monde qui est en contact avec un monde qui a voyagé. Oui, c'est ça. C'est le réseau. En contact avec un monde qui a voyagé. Alors, bon exemple, un monde qui vient dans un avion, et c'est ça que je disais tout à l'heure, disons, c'est après, nous, lister comme un contact. Eh bien, travail là, c'est aller... Vol avion, hein, qui avion le teye, lis moun yo, moun ki te chitale. Ça fait en général dans l'avion, y a dit moun yo, pas déplacer, pas changer place, yo pas contre pour qui ça.
Parce que si on joue un cas d'épidémie, un cas de maladie contagieuse, il y a obligé de rechercher tout le monde pour faire suivi. Pour yo. Ça ne veut pas dire que tout a vécu malade, mais l'obligation de s'annuler les cas contacts, il faut nous jouer un cas contacts. Est-ce que si on a tous les symptômes, déjà la carrière, il n'est pas être suspect, peut-être pas, est-ce qu'elle doit aller dans le centre de santé ou bien est-ce que y a un couloir, un contact pour le dire, mais ça me sent, il n'est pas pour l'hôpital, pour ne pas le contaminer, pour pas le contaminer éventuellement. Éventuellement. Ouais. Et s'il est capable de gagner tout ça, je veux dire, ça veut dire qu'il a vraiment identifié que le contact là existait, il y a un numéro de téléphone qui a réglé. Et puis après, il a allé, écoutez, c'est 43 43 33 33 33. Donc le ça, l'a dit ah, li sent-il pas bien, voilà voilà et puis oui, équipe qui a une équipe d'abord qui a posé la question. Okay. Sinon toute population après les dit, il y a une grippe pour venir. Non, il a posé la question pour déterminer si c'est un cas suspect. Et si c'est un cas suspect, il a pris un spécimen pour lui faire examen, commencer bal mesure préventive pour le prendre par rapport à mon la caille parce que c'est pas un qui prend. Mais si par contre mon nan gagner septomyoli vraiment pas bon le temps évoluer vers une pneumopathie, ça veut dire une pathologie pulmonaire. Donc il y a drainé. Docteur Pierre, on a fini dernière oui. Question qui pique gros bagarre qui fait nous mêmes qui dans santé publique qui fait peur par rapport à virus là. Est-ce que un bagarre qui crée préoccupation là quand nous bon c'est contagiosité là particulièrement. C'est parce pas que... système sanitaire. Non, parce que nous prenons disposition déjà quand comme dit Robertson, son monde vient cogner là. N'a bien côté pour nous mettre que ce soit en quarantaine, que ce soit en isolement. Je dis 100, nous capable prendre 100. Oh, 100 lits disponibles. Ça veut dire c'est monde pour nous faire prise en charge. Et n'a continuer et augmenter capacité nous par rapport au département etc., à l'ensemble des départements. Mais c'est contagiosité à une. Peut-être têtu que population têtu les labdu ah depuis tant m'a toussé mais pour y a bien dit que des monde qui ouais pendant que grand pile monde qui paniquait yo peur par rapport à symptômes là sous balle ou message li capable suivre li mais grand pile monde qui a vague dans bon thème créole là donc c'est ça yo et comment on dit ça troisième bagage c'est bon même si monde est arrivé dans un stade de pneumopathie pas oublier nous gagner un hôpital dans pays il y a qui occupé de et pathologie pulmonaire déjà. Donc ça veut dire ressources humaines yo là et bon peut-être c'est à peut-être les médicaments. Sanatorium non? Oui. OK. Oui, donc le personnel formé, personnel compétent etc. Je et pendant m'a dit ça. Sanatorium des grandes difficultés dans côté de en roi et de loger etc. On devait finir en bon journal local. On réparer. OK. OK. Maintenant, ça crivé, ça qui plus important, c'est préparer. Bon, si on va tomber sur ou pas de connaître. La peut-être faire un peu de dégâts, mais sous préparer, même si c'est minimum préparation, on gagne. Parce que, pas oublier, dans la surveillance, chaque pays, ce n'est pas un standard pour que chaque pays soit obligé de faire ça. Obligé. Non, chaque pays peut avoir une réponse par rapport à la capacité. En fonction de situation. En fonction de ressources, en fonction de capacité. Donc, ça, la France a fait, par exemple, des côtés où on met une grosse caméra. Et vous n'en passez là dans le température, eh bien nous-mêmes, si c'est ça, nous gagnons, au moins nous gagnons. Vous comprenez? Donc, nous répondons par rapport à la capacité nous gagnons. Docteur Pierre Lumen Sampil. C'est un plaisir, Robinson. Et avec toujours même plaisir, le ministère de la Santé est toujours disponible pour nous capables de porter information pour la population. Merci à vous qui t'a suivi Haïti 58. Je souhaite que l'émission ça ou je n'en pile bête la donne qui vous permet de vous préparer. Et nous avons toujours continué dans l'émission ça. J'ai madame Pierre lui dit là, faire pour petit plutôt et de comprendre mieux. À chaque fois, et maladie a évolué, nous avons comprendre mieux avec des informations, puisque pas grand équipe important que lorsque vous informez de situation, de lorsque vous informez de maladie. Merci beaucoup d'être ensemble avec nous. Bonsoir.